هنك المسيرات كنا كتير ترابل كنا أصلا مدارو تقتل لبسو فايتات نترابل لخاي داربا فاكتر جات عمل للماء جاتش عمل للماء سو بقرانتي لك ما عش عليك ما نفوش ازعت ما ايد مش تكبر بالزيت وشهاجة تريد السير تفكر مع الناس بيس على خري زوهاي هالي نادون ايه ما تقعد سهلهن ما خوان نهدى عندي تاندي الفيتش مملية زمو ولا عدا رح كمو سابيس شاعت منا يريد كل شو سورة مين هو خصير ما وراي أنا في عندك شو اللي تقول ما ردوش يكون يكون بالي خلينا نهدم ناخد كنت عارف شو نصرف اللي عندي بزون ونيز بيجي جولو شو Boss, he sells it. Fisherman gets a cut too. I saw your boss pay the inspector. He's a big fish too. If I saw my daughter, this picture did how well. Right, the teacher has none is the picture to show. You manage not to be bad. Had to summon all Europe or take him with Dyson. Chase, do you bear Palak? Well, good morning and thank you for the question. I always wanted to be a writer and director. And I came to editing as a way to learn how to do everything else. I think that editing is the X-ray of filmmaking. And so I learned how to make a film backwards. I started at the end and I saw how everything else was done. I worked with... D'accord. J'ai toujours voulu être un réalisateur scénariste. Ça a toujours été ma vocation, ma motivation. Et j'ai toujours trouvé que finalement le montage a été une forme de fil rouge dans un film. Et j'ai décidé d'apprendre du coup à faire des films en commençant par la fin, en commençant par le montage, pour pouvoir mieux réaliser, pour pouvoir mieux écrire. Comment il est venu cette question de s'intéresser à la pêche, au fait que la mer Méditerranée a de moins en moins de poissons, que c'est difficile d'être pêcheur et que quelquefois pour s'en sortir il faut faire autrement. Comment cette idée est arrivée? Before making this film, I had never gone fishing in my life. And I didn't like to be on boats because I get very sick. So it was not the most natural subject matter, but there was something deeper about it. Avant de faire ce film, je n'ai jamais pêché. Je n'avais pas forcément de lien avec le domaine de la pêche et quand je montais sur un bateau, j'avais le mal de mer. Donc je n'avais pas finalement de relation et de lien particulièrement profond et signifiant avec la pêche. I'd wanted to make films in Malta my whole life. My parents emigrated from the island just before I was born. And we were the only members of the family to leave. So we had a strong connection still to the island. And I would travel back and forth. And I was inspired by the place, the people, and especially because there were no Maltese films. J'ai toujours voulu faire un film à Malte. Mes parents ont immigré, sont partis aux États-Unis juste avant que je sois né. Et on était les seuls de notre famille à émigrer. Et ça veut dire qu'une grande partie de notre famille est encore là-bas. Du coup, on revenait assez souvent, de manière assez régulière. On avait une très forte connexion avec le pays. Et j'étais fasciné finalement par cette petite île d'où je viens avec sa culture et avec sa population.